Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. L'insuffisance du personnel qualifié est l'une des causes majeures liées au décès maternel qui s'observe toujours au Burundi. C'est du moins les propos du professeur Harilimana Salvateur, président de l'Association des gynécologues, qui indique toutefois qu'en collaboration avec le ministère de la Santé, plusieurs projets sont en cours pour faire face à ce défi. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et 1 million d'euros est la somme que compte investir la France dans le domaine du sport pour le projet de l'émergence et la promotion des sportifs au plus haut niveau qui sera exécuté dans une période de 2 ans. Les athlètes qui ont participé lors des cérémonies de cette qui ont participé dans cette compétition trouvent que les compétitions inclusives comme celle-ci les permettent de savoir leur niveau. Voilà pour le sommaire, les détails tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Le gouvernement devrait renforcer les organismes nationaux de recherche pour qu'ils puissent faire des recherches pointues sur les graines de maïs hybrides au Burundi. C'est une analyse d'un expert dans le domaine agricole qui fut ministre de l'Agriculture au moment où les agriculteurs de maïs déplorent la carence des semences, des maïs hybrides partout dans le pays. Et au moment où la saison culturelle approche, il précise que si ces semences ne sont pas disponibles, la population va être touchée par la famine. Suivez-les. Les semences de maïs hybrides ne sont pas produites ici. Donc ça veut dire quoi? On a vu effectivement il y a quelques années que le pays commençait à introduire des maïs hybrides de maïs et qui produisait beaucoup. On a vu dans certaines vallées, ici dans le pays, on voyait ce qu'on ne voyait pas avant, tout à coup des champs de maïs qui sont très beaux, qui produisent beaucoup. Alors c'était des maïs provenant de semences hybrides, mais ils étaient importés. Maintenant, le problème qui se pose, le maïs c'est facile à cultiver si on a des semences, si on a de la fumure, c'est relativement plus facile. Et ce qui se passe, c'est que si on reste dans ce système d'importation des semences, on peut se retrouver dans des conditions telles qu'effectivement, ces semences manquent. Surtout dans cette période, on parle de problèmes de manque de devises. Lorsque vous allez à l'extérieur du pays pour commander des semences, vous payez en devises. Donc on peut se retrouver facilement dans une situation où on n'a pas suffisamment de devises pour importer suffisamment de semences qu'on peut distribuer à toutes les populations qui en veulent, qui en ont besoin. Parce que le maïs il est cultivé un peu partout dans le Burundi. Il faut que actuellement les organismes de recherche que nous avons au Burundi, ils aient les moyens nécessaires pour qu'ils commencent à faire de la recherche sur le maïs afin que nous puissions avoir nous-mêmes sur place des variétés hybrides produites sur place. C'est possible, il faut y mettre les moyens. Les autres pays qui le font, eux aussi, ils ont commencé et petit à petit, ils sont arrivés. Et poursuivons ce journal par la page santé. L'insuffisance du personnel qualifié est l'une des causes majeures liées au décès maternel qui s'observe toujours au Burundi. Le professeur Harelimana Salvatore, président de l'Association des gynécologues, l'a dit ce jeudi au cours du 6e congrès de l'Association des gynécologues au Burundi, tout en précisant que cette insuffisance qui s'observe beaucoup plus à l'intérieur du pays.
Il a indiqué toutefois qu'en collaboration avec le ministère de la Santé, plusieurs projets sont en cours pour faire face à ce défi. Suivez-le. Quand je dis maintenant nous sommes une trentaine, en créant l'association, on était moins de 15. On dirait on a un effectif meilleur par rapport d'il y a 15 ans, mais on n'est pas suffisant. Tout à l'heure, on dit même tous ces 30 gynécologues, je pense que 90% sont dans la mairie de Bujumbura. Cela veut dire que la couverture en médecins spécialistes, en général, et en gynécologie en particulier, elle n'est pas encore couverte. Et la mobilité des personnes, elle est toujours un autre défi. Ce qui fait que, quand je parlais d'internship, c'est pour dire qu'il faut que tout le monde ait cette capacité-là avant d'aller sur le terrain. Comme ça, même s'il fait une rotation, il y a l'autre qui va, il a les mêmes capacités. Donc, vous avez entendu dans la salle une qui disait qu'elle a fini sa... Quand elle a été affectée, la première semaine, on l'a mis à la garde. Et quand on la met à la garde, on gère les urgences, en particulier les accouchements, dont les césariennes. Donc, des fois, on peut se retrouver devant une situation dont on ne maîtrise pas et les complications peuvent être, malheureusement. Si vous avez un hôpital, par exemple, de district, où on trouve un médecin consultant, il est en même temps directeur, et il est appelé dans une... Donc, il coiffe tout. C'est-à-dire que là, ce n'est plus, même si les compétences, il est seul, on ne peut pas tout faire. Mais, donc là, c'est pour dire que c'est insuffisant en termes de quantité, mais maintenant, on veut aussi évaluer la qualité. Parce qu'il y a quelqu'un qui disait, est-ce que les ressources que nous formons sont aussi de bonne qualité? En termes de nombre, c'est là où on dirait, est-ce que l'on aura suffisamment de ressources humaines en quantité suffisante et en qualité suffisante. Là, ça reste encore un souhait. Parlons de sport maintenant. 1 million d'euros est la somme que compte investir la France dans le domaine du sport pour le projet pour l'émergence et la promotion des sportifs de haut niveau qui sera exécuté dans une période de 2 ans. C'est annoncé de Gilbert Guénivet, conseiller de la coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France du Burundi, après un marathon dit pour tous connectés organisé par l'IEPS en collaboration avec l'ambassade de France ainsi que la fédération d'athlétisme ce samedi. Les athlètes qui ont participé trouvent que des compétitions pareilles les permettent de savoir leur niveau. Le point avec Omer Ndouaïo. Félicitant ceux qui ont participé à son marathon, Gilles Ganivet, conseiller de la coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France, est revenu sur les Jeux olympiques de Paris et notamment le lien qui existe entre les résultats des athlètes burundais et l'appui de l'ambassade de France dans le domaine des sports en millions d'euros et l'enveloppe allouée au projet pour l'émergence et la promotion des sportifs de haut niveau, annonce-t-il. Alors le projet que j'ai évoqué, qui s'appelle le PEPS, a été lancé il y a à peu près un mois ou deux et va se dérouler pendant 2 ans. C'est 1 million d'euros qui vont aider les fédérations et tout ça, c'est dans un but évidemment de faire émerger les futurs champions burundais pour les prochains Jeux. Les athlètes qui ont participé à son marathon estiment que leur permet de mesurer leur niveau. Je n'ai rien montré de spécial, sauf des entraînements intenses que je fais. Ce marathon m'encourage à aimer le sport. J'ai appris un bon esprit d'équipe. Voilà, c'était bonne ambiance, ça fait du bien. On a partagé, c'était cool. Un tel marathon est également bénéfique aux fédérations, explique Célestin Vusebanga, expert en politique de développement du sport. Nous avons organisé un marathon pour tous connectés. Il s'agit effectivement d'une connexion dans notre marathon qui est en train d'être fait à Paris, en France. Et c'est cet événement alors qui fait qu'autour de cet événement, il y a une organisation
d'un tel événement. Alors l'objectif, surtout, c'est de redynamiser ou rester toujours dans le dynamisme des performances des athlètes, mais aussi donner l'occasion à des fédérations à organiser beaucoup plus de compétitions. Mais aussi, il y a l'enjeu social qui est lié à la cohésion sociale des participants. Ont participé à son marathon plus de 200 athlètes provenant de différents coins du pays, parmi lesquels les jeunes garçons et filles, hommes et femmes. Certains ont parcouru 5000 mètres et d'autres 10 000 et 5 ont été médaillés dans chaque catégorie. Poursuivons ce journal par la page politique. Certains parmi les leaders des partis politiques dans les provinces de Wururi et Rumonge disent qu'ils ne se retrouvent pas dans les CEPI et demandent être parmi les favoris dans les CECI qui vont bientôt être mis en place. Philemon Nahabandi, président de la CEPI Wurunga, a dit que la loi sera appliquée et demande que les candidats à ces CECI soient désignés en respectant les critères définis par la CEPI, la CENI plutôt. C'était ce vendredi à Rumonge lors d'une réunion de clarification des critères à respecter par les partis politiques, les confessions religieuses et la société civile dans le choix des candidats au CECI. Le point avec Jean-Pierre Misak. Certains participants dans cette réunion ont demandé d'être parmi les favoris dans les prochains démembrements de CECI, car n'ayant pas eu de place dans les CEPI, et cela pour la transparence et la crédibilité des prochaines élections. D'autres ont voulu des éclaircissements. Si ce sont tous les membres de CECI qui doivent avoir un diplôme universitaire ou si c'est uniquement le bureau. D'autres encore ont voulu savoir s'il n'y a pas moyen de prolonger le délai de la confection et de dépôt des dossiers ou encore s'il n'y a pas moyen que les dossiers des candidats au CECI soient déposés au chef-lieu de la nouvelle commune de Rumonge pour ceux de la circonscription et ensuite être récupéré par l'encadreur communal pour les acheminer à la CEPI Burunga. Sur ces questions, Philemon Nahabandi, président de la CEPI Burunga, a fourni des explications sur la question de constituer des CECI inclusives. Il a déclaré que les critères définis par la CENI seront observés et aux leaders politiques, religieux ou de la société civile de s'y conformer dans le choix des candidats à présenter. Sur la question du niveau d'études des membres de CECI, le président de la CEPI Burunga a précisé que tous les membres doivent avoir au moins 2 années réussies à l'université. Concernant la prolongation du délai de confection et de dépôt des dossiers, c'est amplement suffisant, dit Philemon Nahabandi, qui ajoute que ce sont les partis politiques, les confessions religieuses, la société civile qui déposeront eux-mêmes à la CEPI Burunga les dossiers de leurs candidats. Plusieurs autres questions ont été posées et ont trouvé des réponses satisfaisantes. Et à ce propos, le porte-parole de la CENI, François Widimana, demande à ceux qui se plaignent d'attendre l'issue des consultations organisées dans toutes les provinces du pays dans le but de mettre en place les membres de la commission électorale communale indépendante. Suivez à ce propos le porte-parole de la CENI, François Widimana. En date du 29 juillet 2024, les membres de commission électorale provinciale indépendante ont prêté serment. Après la prestation de serment, ils ont été formés pour savoir comment ils vont organiser les élections au niveau de chaque province. Et au moment de la clôture de ces formations, la CENI leur a demandé d'organiser des consultations avec les partenaires électoraux dans leurs provinces pour s'entendre sur des critères sur lesquels ils devront se baser pour mettre en place les commissions électorales communales indépendantes. Un calendrier leur a été donné. Depuis lundi, le 5 août,
les membres des commissions électorales provinciales indépendantes ont été invités à réunir les partenaires électoraux pour discuter ou pour se convenir sur les modalités de mise en place des membres de ceci. Ces consultations sont en train de se dérouler pour le moment. Ces consultations vont se clôturer le 10 août de cette année. Plutôt, je demanderai aux auditeurs, ou même aux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, de prendre le mal en patience, d'attendre les conclusions de ces consultations qui sont en train d'être menées par les CEPI et les partenaires électoraux. Ici, nous ne pouvons pas dire ou préciser comment ces CEPI, comment sera la composition de ces CEPI au moment où les consultations se déroulent encore. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.